Testé positif au coronavirus le 12 juillet dernier, Jacob Desvarieux s'est malheureusement éteint le vendredi 30 juillet à l'âge de 65 ans au CHU de Guadeloupe. Le cofondateur du groupe Kassav avait été placé en réanimation puis plongé dans le coma. De nombreuses personnalités lui ont depuis rendu un hommage appuyé, saluant le talent et l'humilité d'un artiste qui aura su faire danser le monde entier au son de la musique zouk. Dans les colonnes du journal du dimanche, sa complice Jocelyne Béroard s'est ainsi souvenue d'un leader charismatique dans l'après-combat contre la maladie forcée à l'admiration, « Ses problèmes de santé avaient achevé de forcer notre respect et notre admiration. » Transplanté du rein, il se levait à l'aube pour aller faire sa dialyse, puis il courait pour rattraper l'avion de la tournée. Jamais je ne l'ai vu en faire état ni se plaindre. Dans les colonnes du Parisien, la chanteuse s'est également souvenue de cette année 1984 où le tube zouk classé Sel Médicament Nounou a propulsé Kassav sur le devant de la scène, c'est à ce moment-là qu'on a fait la tournée dans le monde entier. Ce titre-là a été joué à la fin de nos concerts racontés-t-elle, on ne peut pas imaginer en faire un sans Jacob pour chanter zouk classé Sel Médicament Nounou. Car la disparition du musicien va obliger le groupe à se remettre en question. Comme le confesse Jocelyne Béroard, continuer sans Jacob, cela ne va pas être possible. On a déjà perdu un chanteur, Patrick Saint-Éloi, en 2010. Sans Jacob, est-ce qu'on a le droit d'appeler encore le groupe Kassav? Je ne sais pas. On va y réfléchir. Je crois qu'il est peut-être bon de penser autrement aujourd'hui. Pour le moment, la chanteuse craint surtout de ne pas être en mesure de faire ses adieux à son ami, nous sommes loin de la Guadeloupe. Je suis à Paris. Nous attendons de nous retrouver avec sa famille, l'entourage. Enfin, si nous le pouvons. Avec la pandémie, cela devient compliqué.